What the fake? Bla bla bla. Tu crois que Twitter c'est le nom d'un film d'action? Qu'on se fait toujours des petits beurs à chaque récréation? Moi tu vois je sors qu'avec des mauvais garçons. Et pendant que toi tu dors, nous c'est musique et à fond. What the fake? Alors on le sait, Internet prend de plus en plus de place dans la vie des jeunes, mais qu'en est-il de tes parents? Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils respectent ton univers en perpétuelle évolution? Au contraire, ils sont complètement à la ramasse. Je te promets, il m'a fait la morale pendant au moins une heure. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, je te promets. Sérieusement, il m'a demandé de nettoyer mon Facebook. T'as laissé traîner tes culottes sur ton mur. Putain, t'as assis sur ma grand-mère, là, bouge! Ah, c'était pour la tenue au chaud. Donne-moi ça, ouais. C'est mon album de famille. Je vais le rendre demain pour séance sociale. Je suis désolé, mamie. Vous imaginez quand nos enfants devront faire des albums avec nos snaps et nos selfies? Et c'est pas pour rien que les snaps, ils durent que 5 secondes, hein. Rien ne se perd. Rien ne se tait. Tous ces concerts. Est-ce qu'ils te suivent sur Instagram? Est-ce qu'ils sont prêts avec toi? Non, j'ai pas envie qu'ils aillent regarder mes messages ou des trucs comme ça. Ils checkent pas tes mails non plus? Non, même pas. Non. Absolument pas, ils savent même pas que je suis sur Facebook. Non. Il y en a qui peuvent avoir le code Facebook et tout, faut pas exagérer. Non. C'est une vie privée, quoi. Parce que je trouve que ça se fait pas qu'on va fouiller dans ta vie privée, surtout sans autorisation. Mais moi je suis obligée d'avoir mes parents en amis pour être sur Facebook. Et tu trouves ça normal? Bah je pense que oui, parce qu'il y a un moment où ça devient dangereux. Enfin moi ça me rassure. Ouais, en fait. Vous saviez qu'un parent sur 10 trouve que son gosse est moche et que 20% de ses parents achètent des produits de beauté pour rendre leur môme plus socialement beau? C'est dingue. Quand on y pense, c'est dingue ce que les parents nous imposent pour entrer dans la norme. Bonne étude, bonne fréquentation, bon vocabulaire, bon style. Et le bonheur dans tout ça, hein? Ils nous trouvent peut-être moches, mais quand on voit leur gueule sur leur photo de profil, on nous demande à combien de gosses ils tapent la gêne. Et toi, t'as déjà été gênée par tes parents? Ouais. Raconte un peu. Pendant les grandes vacances à la plage, on n'avait pas de maillot, elle m'a fait mettre un caleçon. Il y a mon père qui a chanté au karaoké et j'étais très gênée. Ah, et comment vous allez? Ah oui, moi aussi, une fois j'ai eu ça. Mes parents sont venus me chercher à la soirée à laquelle j'étais. Donc. Et ils sont venus chercher comment? Et ils sont venus. Ouais. Écris quoi? Vas-y. Allez ma chérie, c'est ma fille. Ouais, la photo de profil de ma tante, c'est son tapis. Avec elle dessus en peignoir. Moi, ma grand-mère, elle est en string léopard sur Facebook. Je suis amie avec ma mère sur Facebook, mais elle poste tout le temps des photos de moi avec elle. C'est vrai que des fois, il met des photos de moi. Genre, quand c'est mon anniversaire, il peut mettre des photos de moi quand j'étais petit, et puis voilà quoi. Et c'est moi qui dois décrasser mon Facebook. Ouais, mais enfin, il faut les comprendre aussi. Ils sont pas nés dedans, eux. C'est juste que les vieux, ils veulent essayer de choper le net, alors que c'est juste pour les jeunes, ce truc, hein. Que ouais, ils sont un peu dépassés parce qu'ils faisaient pas la même chose que nous, quoi. Ouais. Ils sont complètement d'une autre génération, donc nouvelle génération, nouveau vocabulaire et tout. Ils comprennent pas trop. Ils essayent parfois de faire pareil, mais... On négocie tout le temps et on pousse. Et quand je pense au futur, genre quand moi, si mes enfants faisaient ça, je serais dépassée à un point. Mes parents, au contraire, ils faisaient pire que moi. Faut pas hésiter à demander, mamie. Je peux tout t'expliquer, tu sais. Je te dis, c'est ma vie. Je veux faire ce que je veux, ben oui. Un jour, tu te souviendras qu'avant, t'étais comme moi. Pourquoi je te gâche la vie? Parce que tu me presses la vie. Et est-ce que toi, tu vas permettre à tes parents de regarder cette vidéo? Parce qu'il me semble quand même que t'as bien bâché sur eux. Et si tu veux continuer, ben, comme d'habitude, réseaux sociaux. Barnabé? Encore le mur? Dis Hortense, tu vas pas commencer, hein. Ça paye ici! Aire-moi cette chambre! What the fake?